m'appelle Virginie, Virginie Éognan. Je suis blogueuse, freelance dans le marketing aussi, et plein d'autres casquettes. Mais il faut retenir celle-ci. Je dirais que ce serait une facette de l'art contemporain, une identité de l'art contemporain, un monde de l'art contemporain en fait. C'est-à-dire que il y aurait une réelle définition à redonner dans le sens où la définition première de l'art contemporain, c'est l'art après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945. Mais en fait, c'est une vraie question dans le sens où comment définir un art contemporain africain alors qu'au moment d'après-guerre, la plupart des pays du continent étaient encore sous domination coloniale. Donc c'est une vraie question. Est-ce qu'il faudrait redéfinir les dates? Est-ce que aussi les artistes sont contents de cette appellation, de ce label? Je pense qu'il n'y a pas de définition et qu'on peut lui apporter plein de définitions encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, c'est tellement en mutation. Et en tout cas, moi, ma relation, elle est en mutation aussi. C'est une relation passionnelle. En mutation et en tout cas l'art de ces artistes issus du continent et de ses diasporas, c'est des clés pour comprendre mon identité, des clés pour comprendre l'histoire du continent, des clés pour comprendre tous ces enjeux autour du continent africain, autour de la négritude et je pense que c'est un rapport primordial et élémentaire pour moi. Je dirais la première, c'est Evans Mbugua, qui en 2017 avait fait une œuvre de moi. Donc du coup, ouais, je dirais que cette œuvre m'a grave marquée, sans aucune prétention, bien sûr. Et ensuite, je dirais la grande installation, j'ai pas le titre, mais la grande installation de Yinka Shonibare, pardon, où il y avait tous les livres, il y a tous les livres couverts en wax en fait. Donc j'irai cette œuvre-là. Et ensuite, bon, sans oublier aussi l'artiste qu'on a derrière nous quand même, qui fait un travail vraiment splendide justement par rapport aux enjeux historiques et du continent africain, et là en l'occurrence de la région du Bénin. Et du coup, je dirais l'installation de Salifou Ndou, que j'ai découvert dernièrement à l'Institut des Cultures d'Islam. Et après, il m'en reste une. Et je dirais aussi les œuvres de Owantu. Elle prend en fait des cartes postales historiques qu'elle recouvre en fait à travers sa démarche. La plupart du temps, c'est des fleurs. Parce qu'elle travaille beaucoup en fait sur la mutilation des jeunes femmes, donc à savoir l'excision. Elle a collaboré aussi avec des ONG. Et ouais, j'irai ces œuvres-là. Là, j'ai répondu à chaud. C'est spontané. Bah, le mot de la fin, suivez Africa, suivez Alicia, qui vous fait découvrir plein de choses. Et je pense que j'aime bien donner cet exemple. C'est hyper important qu'il y ait plusieurs blogs par rapport au continent africain, par rapport à l'art du continent. Parce que quand on tape le nom de Pablo Picasso, il y a plein de résultats. Bah demain, quand on va taper le nom de Chéri Samba, de Romeo, d'Owanto, il faut qu'il y ait plein de résultats encore sur Google.